Si est-il à rentrer télé avant l'heure. À partir du samedi 5 août, Jarry animera Tout le monde et veut prendre sa place après le départ de Laurence Boccolini. Avant ce nouveau challenge, il s'est confié à nos confrères de télévision grande chaîne. On sait bien que Jarry aime piéger les gens dans le Big Show de France 2. Mais tel l'arroseur arrosé, cette fois-ci, si est-il bien lui qui s'est fait avoir. En effet, comme il l'explique à nos confrères de télévision grande chaîne, lorsque France Télévisions lui a proposé d'animer l'une de ses émissions phares dès le samedi 5 août, à savoir le jeu Tout le monde veut prendre sa place, l'humoriste n'y a simplement pas cru. Pire, il a même cru à une blague. Mais comme j'avais envie depuis longtemps d'animer un jeu quotidien, j'ai accepté. Mais ce n'est pas la seule révélation que Jarry fait à nos confrères. Jarry à la tête de Tout le monde et veut prendre sa place dès le 5 août. Tout au long de cette interview, Jarry se dévoile et se confie. Il explique par exemple qu'ayant vécu à Rabelais-sur-Layon, un tout petit village de 600 habitants, il sait très bien que la télévision s'intéresse peu à ce type de population et que du coup il veut s'adresser à tout le monde. Il compte donc apporter une touche très personnelle à l'émission. Autre révélation très étonnante, Jarry reconnaît être un joueur et pire, un mauvais joueur presque prêt à tout pour gagner. Dans Télévision Grande Chaîne, il déclare, « Je joue au Uno avec mes enfants et je triche car j'invente des règles pour gagner. Cela me permet de rester un héros à leurs yeux. Jarry, tout le monde veut prendre sa place, Laurence Boccolini m'a appelé si le monde de la télévision n'est pas toujours une grande famille, tout roule en revanche entre Laurence Boccolini et Jarry. » À ce propos, l'humoriste explique, « Elle m'a appelé pour me dire à quel point elle était contente que ce soit moi qui ai été choisi et m'a conseillé de rester moi-même. » Une bonne nouvelle qui ravira tous ceux qui apprécient particulièrement ces deux personnalités de la télévision. Et en attendant, qui sait, de les voir un jour co-présenter une émission, Jarry a enregistré plus d'une dizaine de numéros de Tout le monde veut prendre sa place avant de partir en vacances. De quoi permettre à ses fans d'attendre son retour et surtout le début de sa tournée en octobre.